Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, évangile de Jésus Christ selon Saint-Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux disciples, un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. Le gérant se dit en lui-même, Que vais-je faire puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurais honte. Je sais ce que je vais faire. Aucune fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, combien dois-tu à mon maître? Il répondit, 100 barils d'huile. Le gérant lui dit, voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. Puis il demanda à un autre, et toi combien dois-tu? Il répondit, 100 sacs de blé. Le gérant lui dit, voici ton reçu, écrit 80. Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce n'est pas que notre Seigneur donne comme exemple d'imiter un voleur, bien qu'au ciel se trouve le bon voleur, Saint-Dimas. Le bon larron, parce qu'il l'a défendu devant son compagnon, le mauvais voleur, Gestas. Mais le Seigneur ne veut pas nous dire que nous devons être des voleurs ou de mauvais gestionnaires. Qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner La ruse. Il dit, il termine l'évangile d'aujourd'hui en disant Les enfants de ce monde sont plus rusés avec leurs semblables que les enfants de l'Église. Et à une autre occasion, le Seigneur avait dit, Soyez innocents comme les colombes et rusés comme des serpents. Que signifie la sagacité On peut être rusé pour faire le mal. Le diable est très rusé, mais il faut aussi être rusé pour faire le bien, c'est-à-dire préparer quelque chose. Quel est le bien que vous voulez obtenir Préparez-le, ayez un plan, un programme. Ne laissez pas les choses au hasard ou à la chance. Que devons-nous rechercher en premier lieu? La sainteté pour que nous allions au ciel. Et la sainteté pour les autres, pour les aider, ils auront le dernier mot pour les aider à aller au ciel. C'est le grand but de la vie. Parce que tout passe, parce que la vie finit. Et ce qui compte c'est de se préparer à la vie qui ne finit jamais. La vie avec Dieu au ciel. Pour nous et pour nos proches, nous sommes des citoyens du ciel. Nous devons nous préparer à cela et nous devons nous préparer avec astuce. Première règle de la ruse avec soi-même. C'est une vieille phrase que nos prêtres utilisent, mais elle est déjà utilisée dans le langage vulgaire. Celui qui évite la tentation évite le péché. Si vous savez que, dans certaines circonstances, la solitude, la fatigue, vous êtes plus fragile et plus sensible à la tentation. Et je ne parle pas seulement de la tentation contre le sixième ou le neuvième commandement, mais aussi de la tentation, par exemple, de la colère, de la colère, de la colère, si. Vous savez par expérience que cela vous arrive. Essayez d'éviter les circonstances qui peuvent vous y conduire. Combien de prêtres je ne connais qui ont choisi le chemin de la solitude, parce qu'ils aiment faire ce qu'ils veulent faire. Mais il faut alors payer le prix de la solitude. Et combien de personnes n'ont pas des prêtres, mais des laïcs ont fait le même choix. Il faut alors payer le prix de la solitude. Et la solitude est un prix très élevé que tout le monde n'est bien sûr pas à mesure de payer. Première règle de la ruse, celui qui évite la tentation évite le péché. Vous savez dans quelles circonstances il vous est plus facile de commettre un péché. Essayez d'éviter ces circonstances. Si vous savez qu'un chien est attaché avec une chaîne d'un mètre, et que c'est un chien agressif, allez à un mètre et demi. N'allez pas à un demi-mètre, parce qu'il est très probable qu'il vous morde. En ce qui concerne les autres, nous devons avoir un plan et un programme pour évangéliser les prêtres, mais aussi les laïcs, pour évangéliser dans leur famille, pour évangéliser dans le monde dans lequel ils se déplacent au travail avec leurs amis. Et quel plan devons-nous avoir? Nous devons agir avec perspicacité, avec un programme. Premier point, prier, prier. C'est la première chose. Ce n'est pas la moins importante, c'est la plus importante. Prier, prier et prier. Demandez à Dieu cette personne, priez pour cette personne, commencez à construire la maison à partir des fondations. Priez, demandez l'aide de Dieu. Si le Seigneur ne bâtit la maison, c'est en vain que travaillent les bâtisseurs. Tout d'abord, la prière, je ne suis pas d'accord parce que la prière devrait être la première chose, pas la dernière. La chose désespérée que nous devons faire, bien sûr, aussi, mais nous devons commencer par prier. Nous devons parler de Dieu à votre enfant. Mais commencez d'abord par parler de votre enfant à Dieu. D'abord priez, parlez à votre ange gardien pour qu'il le parle à l'ange gardien de votre enfant. De cette autre personne que vous voulez évangéliser, pour qu'il soit d'accord et qu'il le touche un peu dans sa conscience et qu'il puisse faire bouger son cœur. Premièrement donc la prière, ensuite le témoignage. Mais le témoignage seul est impressionnant. Quand il se passe quelque chose qui attire l'attention, il faut donner le meilleur témoignage possible. Aucun de nous n'est parfait. Il n'y a que Dieu et la Sainte Vierge. Mais il faut donner le meilleur, le meilleur possible. Et si on fait quelque chose de mal, il faut donner le témoignage de l'humilité, du repentir, de la demande de pardon, du renoncement. Et du recommencement. Donc, la prière et le témoignage, mais surtout dans les moments où votre témoignage sera plus frappant. Par exemple, comment un chrétien souffre-t-il Comment un catholique souffre-t-il Comment un catholique souffre-t-il Comment un catholique fait-il face à la maladie Comment un catholique fait-il face à l'imprévu, aux problèmes de la vie Comment un catholique fait-il face à la vie en commun Il y a une séparation, il y a un divorce à la maison, un malheur, c'est toujours un malheur. Eh bien, comment faire face Utiliser votre fils ou votre fille, vos enfants, comme une pierre à jeter à votre ex-conjoint, remplir leur cœur de haine contre leur père ou leur mère, ce n'est pas ce que fait un catholique. C'est-à-dire que le témoignage est un témoignage toujours dans la vie de tous les jours et d'une manière spéciale quand il y a une difficulté dans la vie, que ce soit une maladie, un problème familial, un problème de travail, comment Jésus se comporterait-il? Parce que c'est à ce que nous devons nous attendre. C'est à ce moment-là qu'il vous regarde le plus et qu'il en garde un souvenir impérissable. Comment mon père est mort, comment ma mère est morte, quand il le fait devant des gens qui avaient besoin d'aide, c'est ce qui le retiendra de vous et c'est ce qui les poussera à la conversion. Troisièmement, la parole, la prière, le témoignage silencieux, la parole. Mais pour la parole, il faut faire avoir deux choses. Cet Ignace d'Antioche, lorsqu'il se rendait à Rome pour être dévoré par les lions, disait, Quand vient l'heure de la mort, quand vient l'heure du martyr, il ne faut pas avoir beaucoup d'arguments, mais un grand courage, c'est-à-dire du courage. Eh bien, pour témoigner de sa parole, il faut du courage, pas de la peur. Parce que parfois, tu peux penser, je n'ai pas d'éducation, je ne sais pas me défendre. Je ne sais pas argumenter, et c'est vrai, mais tu peux avoir du courage et dire, écoute, je ne sais pas quoi te dire sur ce sujet, mais je peux te dire une chose, avec le Christ, j'ai la paix, avec le Christ, j'ai l'espérance, avec le Christ, j'ai la force pour la lutte quotidienne de la vie. Tu peux dire ça parce que c'est vrai. Aussi, et l'autre personne ne peut dire l'Église, c'est que les prêtres, c'est que le pape, c'est que je ne sais pas qui, c'est que je ne sais pas combien, c'est que les croisades ou les pédérasties ou c'est que, etc., etc. Écoutez, il est possible que dans certaines choses j'ai raison, mais je peux vous dire que pour moi, le Christ est le chemin de ma vie. Il est la lumière de ma vie. Et il est la vérité dans ma vie. Il est mon sauveur. Le témoignage parlé a besoin avant tout de courage, de formation, et pour cela, il faut se préparer. La formation n'est pas quelque chose d'improvisé, c'est-à-dire qu'on ne devient pas ingénieur, médecin ou architecte parce qu'on dit, je veux être architecte, et qu'ensuite on reçoit la science infuse et qu'on sait comment construire un bâtiment. On ne devient pas ingénieur, médecin ou architecte parce qu'on dit, je vais être architecte, puis on reçoit la science infuse et on sait comment construire un bâtiment, je vais être médecin. Et le lendemain, on sait comment prendre un scapel, ouvrir un estomac pour enlever une vésicule biliaire ou faire une greffe de foie. Eh bien, non, non. C'est-à-dire que la formation ne s'improvise pas et qu'il faut se préparer petit à petit. Que fais-tu pour te préparer à dialoguer avec ceux qui t'entourent et que tu veux aider à rencontrer Dieu? Parce que si tu ne prends pas un livre, si tu n'étudies pas, si tu ne te préoccupes pas d'avoir des réponses aux questions qu'il te pose, alors il y a quelque chose qui échoue et qui dépend de toi. Il est possible que ce ne soit pas suffisant, mais au moins, tu devrais avoir la formation de base pour pouvoir dire un mot. Je le répète, la première chose à dire, c'est le fruit du courage. Je ne comprends pas, je n'ai pas d'argument, je n'ai pas de formation, mais pour moi, le Christ est la vie. Pour moi, le Christ est ce qui donne un sens à ma vie. Mais ensuite, la formation est aussi nécessaire pour que vous puissiez vous préparer à cette rencontre qui doit être basée sur le dialogue et la non-violence, la violence verbale avec les personnes qui vont vous poser des questions, parfois de mauvaise foi, mais parfois en cherchant sincèrement une réponse qui les aidera à rencontrer Dieu. Les enfants de ce monde, dit le Seigneur, sont plus astucieux avec leurs choses. Comment gagner de l'argent? Comment monter dans l'entreprise Ou comment conquérir une personne que l'on aime Ils sont plus astucieux avec leurs choses que les enfants de la lumière. Soyez simples comme des colombes et rusés comme des serpents. Ainsi soit-il.